Bonjour à toutes et à tous, j'espère vraiment que vous allez bien en ces périodes de fête. Ça fait du bien de vous retrouver dans ce bistrot du jeu vidéo et aujourd'hui, on va vraiment se poser une question extrêmement intéressante, savoir qui pourrait bien être le jeu le plus cher de l'histoire de PlayStation. Alors vous allez voir, c'est une sorte d'enquête. J'ai pas forcément la réponse absolue, mais elle va nous permettre de déboucher sur une autre interrogation qui, là encore, est passionnante, à savoir, est-ce que tout cela est durable? Est-ce que cette inflation phénoménale que l'on constate, alors à tous les niveaux, dans tous les segments du monde, mais aussi dans les coûts de développement, eh bien, est-ce qu'à un moment, ça va pas poser quand même un petit souci? On en parle dans quelques instants. On verra aussi que, du côté de Resident Evil, une saga que j'aime tant, eh bien, plus de remakes encore arrivent! Et que The Last of Us Part 3, oui! Eh bien, écoutez, c'est visiblement pas pour tout de suite. Pour autant, il y a une interview de l'un des acteurs qui prête sa voix au jeu, qui est très très intéressante, et donc je la soumettrai à votre sagacité. Bref, c'est un très très gros, ample, généreux bistrot du jeu vidéo qui débute pas plus tard que maintenant. Depuis des mois, que dis-je, des années, Capcom est clairement l'éditeur japonais, je trouve, hein, qui est le plus en forme. Et parmi les raisons de ce très très beau succès, que ce soit aussi bien critique que commercial, on retrouve une saga que j'aime d'amour et d'eau fraîche, même s'il y a plein de zombies à l'intérieur, il s'agit de la saga Resident Evil, et en particulier de ses différents remakes. Et oui, alors ça avait commencé, oh oh, il y a quelques années de cela déjà, avec le tout premier remake du tout premier Resident Evil. Et à titre personnel, je trouve que encore à ce jour, il est absolument éblouissant. De vous à moi, je suis persuadé qu'à un moment, on aura le remake du remake. Mais ceci est encore une autre histoire. Ça a continué avec les remakes de Resident Evil 2, de Resident Evil 3, de Resident Evil 4. Et à chaque fois, ça a été quand même des millions et des millions d'exemplaires écoulés. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Eh bien justement, au cours du PlayStation Partner Awards, qui s'est tenu au Japon, eh bien Yasuhiro Anpo, le directeur du remake de Resident Evil 4, a souligné ceci, je vous le traduis, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Oui, nous allons continuer à proposer des remakes de la saga Resident Evil. Nous avons sorti 3 remakes jusqu'à présent, et ils ont été tous très bien accueillis, puisque cela permet à un public moderne de jouer à ces jeux. C'est quelque chose que je suis heureux de faire en tant que personne qui aime ces jeux plus anciens, et nous voulons continuer à en faire plus. Lors du développement d'un nouveau jeu, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui sera bien accueilli par les joueurs, ce qui rend les choses assez difficiles. Alors que dans le cas d'un remake, il y a déjà des joueurs qui ont joué à l'original, ce qui, je pense, peut être considéré comme un avantage. Nous sommes très reconnaissants envers les utilisateurs qui expriment leur opinion. Cela nous permet d'évoluer en tenant compte de l'avis du joueur. Par exemple, si c'est ce que ressentent les joueurs, alors peut-être pouvons-nous faire en sorte que cela se produise ainsi. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nos remakes sont si bien accueillis. Et attendez, ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. En tout cas, on le comprend bien du côté de Capcom, les remakes à gogo. Et vous avez désormais les réponses et les raisons véritables évoquées devant vous. Il dit enfin, le jeu que nous allons remaker à l'avenir est quelque chose que nous aimerions annoncer prochainement. Alors, je dis prochainement, mais c'est plus surtout à l'avenir. Alors, attendez-le avec impatience. On va se calmer sur le prochainement, hein. C'est plutôt à l'avenir hein, qu'il a dit, je préfère être honnête et clair avec vous. Hein. Eh ben écoutez, on a plein de questions du coup. Parce que maintenant que l'on sait, sûr et certain, qu'il y aura encore des remakes de Resident Evil, pour ceux qui avaient un doute, hein, cela dit au passage, eh bien, est-ce que ce sera dans la logique après le 1, le 2, le 3, le 4, eh bien Resident Evil 5, qui est un épisode très 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 action, encore plus que le 4. Hein. Ou bien, à titre personnel, je rêverais quand même d'un beau remake de Resident Evil Code Veronica, qui pourrait très bien s'intercaler entre tout cela, hein, et qui, à mes yeux, est bien meilleur que le 5, et surtout, bien moins connu aussi. Et qui pourrait bénéficier en cela d'un retour en grâce, boosté par la technologie moderne, et l'exploser aux yeux de nombreux joueurs, qui, comme à l'époque il était sorti en exclusivité temporaire sur Dreamcast, n'avait pas bénéficié de la même aura, etc. Parce qu'il n'y avait pas autant de personnes qui avaient une Dreamcast, mais je peux vous assurer que
Code Veronica. Parlez-en à des fans de Resident Evil, ils vous diront très probablement, à peu près tous, genre, c'est l'un des meilleurs épisodes de la saga, c'est une dinguerie. Bon, alors cela dit, si entre-temps, intercalé, hein, entre deux remakes de Resident Evil, on pouvait aussi avoir un petit remake sympa de Dino Crisis, bah à titre personnel, je signerais tout de suite, et je suis à peu près persuadé que vous seriez quelques-uns à m'emboîter le pas, je le crois. Bon, allez, on passe à une autre news, et puisqu'on parle de remake, de suite, etc., eh bien, on va mettre les pieds dans le plat, on va parler de The Last of Us, parce que, alors que The Last of Us Partout Remaster, une sorte de remake, hein. Enfin c'est plus léger, hein. C'est juste une petite refonte technique, s'apprête à sortir en janvier 2024 sur PS5, alors que le tournage de la saison 2 de la série The Last of Us sur HBO devrait débuter là, en janvier-février 2024, eh bien, beaucoup de joueurs attendent fébrilement une suite à The Last of Us. Parce que, très clairement, c'est ouvert. Il y a plein de possibilités. Bon, alors pour mémoire, il y avait quand même eu 7 années entre les deux premiers épisodes. Et si ce timing était respecté cette fois-ci encore, cela nous amènerait à un timing 2027-2028. Alors déjà, un, ça veut dire qu'on a du temps, mais deux, dans une interview accordée à Dexerto, eh bien, Jeffrey Pierce, qui prête sa voix à Tommy, eh bien, il nous a dit pas mal de choses, et il a clarifié un peu la situation, on va dire, à date, là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous le traduis. À ce stade, ce n'est pas quelque chose qui a commencé d'une manière ou d'une autre. Du moins, pas à ma connaissance. Et je détesterais me préparer pour avoir des attentes sur ce que cela serait et que cela soit ensuite quelque chose de complètement différent. Lorsque Neil me remettra un scénario, je vais être sûr qu'il sera parfait parce que c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à présent. Et quand cela arrive et qu'on me pose des questions sur The Last of Us Part 3, je dois dire que je n'ai aucune idée de ce que vous parlez. Voilà. Alors, ça permet de bien comprendre aussi les choses. Attendez, c'est pas tout à fait fini. Hein. Il dit d'autres trucs juste derrière. Mais en gros, vous savez, les phrases que l'on entend souvent à base de « Est-ce que ce jeu va sortir ? Est-ce que machin ?» Genre, « Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Évidemment, il y a des NDA, etc. Et donc là, il le dit très clairement. Hein. Si la question lui est posée sur The Last of Us Part 3, il doit dire « J'en ai aucune idée. » Voilà. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Mais, attendez. C'est pas tout à fait fini, et c'est intéressant. Il continue en déclarant ceci. Je peux parler en tant que membre du public, plus qu'en tant que membre du casting, et dire que j'ai hâte de jouer à The Last of Us Part 3. Dépêche-toi, Neil ! Allez, on y va ! Et en tant qu'acteur, je pense que c'est probablement la même chose. Mais, vous savez, ce sera ce que ce sera, et quand ce sera le cas. Alors, de vous à moi, personnellement, voici ma petite théorie concernant The Last of Us. On sait qu'il y a un autre jeu, solo, actuellement en développement chez Naughty Dog. De vous à moi, je pense que c'est une nouvelle licence. En tout cas, c'est ce que j'espère vivement. Histoire que ça rafraîchisse aussi, créativement parlant un peu, les idées, etc. du côté de Naughty Dog. Sauf que Naughty Dog a pris tellement d'importance chez PlayStation qu'il n'est pas totalement interdit de penser qu'en parallèle de tout cela, sur une toute petite core team, il y ait d'ores et déjà des réflexions pour un troisième épisode de The Last of Us. Et si on pense au timing 2027-2028, eh bien, ça coïnciderait avec quoi? Eh bien, avec l'arrivée de la fin de génération PS5 et de l'arrivée de la PS6. Et le timing est généralement très apprécié par la série The Last of Us, qui était arrivée en fin de vie de la PS3, avant de basculer en version remastered sur PS4. Last of Us Part 2 est arrivé en fin de vie de la PS4, avant de basculer sur la PS5. Donc tout ça aurait beaucoup de sens, et si on se ramène à 2027-2028, ah bah tiens, regardez, est-ce que ce sera pas à peu près les timings aussi de la troisième partie pour la saison HBO? 2025, la saison 2. 2026-2027, la saison 3, parce que clairement, la prochaine fois, c'est deux saisons. Et donc, pour embrayer sur la suite, 2028-2029. Tu laisses un peu de temps aux jeux vidéo, et puis après, t'enchaînes. Tout cela me paraît, mais totalement logique. Après, nous verrons bien. Hein. Là, c'est des supputations, très clairement. Je vous partage là où on en est de l'état de la réflexion. Vous me donnerez votre opinion, bien sûr, dans les commentaires. Alors moi, je croise les doigts, parce que je crois que, clairement,
il y a encore de très très belles choses, enfin belles, de l'univers de Last of Us, poignantes, on va dire, c'est plus précis. Poignantes choses à raconter dans ce monde-là, mais je crois qu'on n'est pas prêt. Parce que quand je vois la montée en puissance entre le 1 et le 2, allez, à suivre. Bon, bah justement, on reste dans l'univers PlayStation, puisque vous voulez que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Il y a quelques temps de cela, je discutais avec quelqu'un dans l'industrie du jeu vidéo, très bien placé, mais qui travaille pas chez Sony, donc pas chez PlayStation. Et on discutait, etc. et tout. On parlait un peu le business de l'industrie, les coûts de développement, etc. Et à ce moment-là, il m'apprenait une chose. Il me disait que God of War avait été un projet particulièrement stressant au sein de PlayStation. Pourquoi ? Déjà parce qu'il était très ambitieux et tout ça, oui. Mais la vraie raison, c'est que plusieurs personnes lui avaient confirmé que ça avait été le jeu le plus cher de l'histoire de PlayStation. Celui qui a eu besoin de plus de ressources. Et du coup, qui avait vraiment besoin de cartonner extraordinairement pour être rentable. Et donc, c'est ce qu'on lui avait expliqué, etc. C'est que même après le lancement du jeu et les premiers chiffres qui étaient très bons, même à ce moment-là, chez PlayStation, on était quand même un peu fébrile parce qu'il fallait vraiment, vraiment que ça cartonne, quoi. Alors, c'est intéressant parce que le coût de développement de certains projets PlayStation Studios ont fuité, il y a quelque temps de cela, rappelez-vous, c'était lors du procès entre Xbox et la FTC. On avait appris à cette occasion-là que Horizon Forbidden West avait quand même coûté la bagatelle de 212 millions de dollars et que The Last of Us Part II, ça avait coûté 220 millions de dollars. Donc clairement, c'est énorme. Et je vous l'ai dit, hein, là, on fait une sorte un peu de petite enquête. Donc sur la base de cette personne, qui est très 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 bien placée, etc., qui a vraiment des ramifications très intéressantes, qui dit que God of War, on lui a dit vraiment que c'était le jeu le plus cher de PlayStation, eh bien, il y a un autre indice qui semble pointer vers cela. Et en l'occurrence, pour cela, il faut aller lire un article super intéressant du Guardian, qui a réalisé donc un portrait sur Shuhei Yoshida, que vous connaissez probablement bien, et qui, effectivement, évoque God of War dans cet article-là, soulignant à quel point ça a coûté vraiment très cher. Alors, qu'est-ce que nous dit le Guardian? Eh bien, écoutez, je vais les traduire précisément sur le passage qui concerne God of War et son coût de développement. Voici ce que dit le Guardian. Les choses sont devenues plus difficiles pour les développeurs de jeux depuis plus de 25 ans que Shuhei Yoshida travaille dans l'industrie. Les coûts de développement ont explosé. God of War 3, sorti en 2010, un jeu extrêmement coûteux pour l'époque, a coûté 44 millions de dollars. Les jeux PlayStation 5 modernes, tels que God of War Ragnarok, peuvent coûter de l'ordre de 200 millions de dollars. Ah, donc ça c'est l'article du Guardian, qui est en plus avec Shuhei Yoshida, etc. Et donc il nous dit que ça a coûté de l'ordre de 200 millions de dollars. Ok, donc maintenant si on recoupe un peu tout, on se dit, ok, on connaît, parce que ça a fuité, les sommes dépensées pour Horizon, pour Last of Us, donc 212 et 220. Il est donc très possible que God of War Ragnarok se soit situé juste un petit peu au-dessus. D'ailleurs, vous aurez noté que c'est le jeu qui est sorti un petit peu après, et qu'on a l'impression que la barre, elle monte à chaque fois un tout petit peu plus haut. Et donc, il pourrait bien, je parle au conditionnel bien sûr, être potentiellement le jeu le plus cher de PlayStation. Mais là, soyons très clairs, si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour faire cette petite enquête qui est sympathique, mais qui est néanmoins intéressante, mais c'est pour vous poser une question et souligner un sujet qui me paraît extrêmement important et même crucial pour l'avenir du jeu vidéo et plus particulièrement pour l'avenir du jeu vidéo. Alors, je vais être clair, hein, comme moi, je les aime vraiment et je crois que je suis pas le seul du tout, vous êtes très nombreux dans ce cas-là, à savoir les gros jeux action, aventure, solo, narratif. C'est vrai que c'est ce qui a forgé la renommée de PlayStation depuis des années, mais c'est pas les seuls à en faire, et on voit que Xbox, de plus en plus, va embrayer dans ce créneau-là. On attend, par exemple, Hellblade 2, qui est typiquement un jeu action-aventure-solo-narratif. Il y aura Fable aussi qui va arriver. Bref, il y a une grosse tendance comme ça dans l'industrie du jeu vidéo depuis des années, et je trouve que c'est très bien parce que ça fait vraiment des expériences absolument exceptionnelles. Mais ce qu'on constate, et à l'aune de tous ces chiffres-là, c'est qu'il y a vraiment une explosion, une inflation des coûts. Parce que, comme le dit le Guardian, 2010, et 2010, c'est pas il y a si longtemps que cela, hein, quand même. Hein. C'est pas il y a 50 ans, hein. C'est il y a même pas 15 ans. Donc il y a une petite décennie. 44 millions,
Et là, pour God of War Ragnarok, donc God of War 3, 44, God of War Ragnarok, probablement plus de 200. C'est quand même assez phénoménal, hein, comme augmentation. Et ça s'explique par le fait, tout bête, hein, qu'aujourd'hui, pour obtenir ce genre de visuel, pour obtenir des aventures ultra denses, généreuses, riches, bien écrites, avec des acteurs pour la motion capture, voire même de la performance capture, etc., sont des projets qui requièrent des centaines de personnes, et quand on dit des centaines, c'est plus de l'ordre de 300-400 que juste 150, hein, sur 5-6 ans minimum, et donc les risques financiers sont devenus vraiment énormes. Et ça peut permettre quand même de réaliser les enjeux qu'il y a derrière, et de se poser la question, est-ce que cette pratique est vraiment durable? Est-ce que dans 10 ans, bah on sera à quoi? 400 millions de dollars? C'est inenvisageable, c'est pas possible. Évidemment, le marché du jeu vidéo s'est développé, s'est agrandi, il y a de plus en plus de joueurs, etc. Mais c'est le risque aussi qu'il y a derrière. Et autant un jeu comme GTA 6, tu sais de base, vu la hype qu'il y a, la notoriété et machin, que tu vas en vendre énormément, dès le premier jour. God of War bénéficie d'une énorme aura, c'est sûr. Mais est-ce vraiment suffisant? Est-ce que le risque est pas ultra important? Et que si on arrivait à un moment où ça basculait un tout petit peu plus et que ces 200 se transformaient en 300 millions, est-ce que... Voilà. Alors, je pense par exemple que le fait que PlayStation, et de plus en plus, vous l'avez constaté, propose de faire vivre ces gros jeux dans la durée. Ça, c'est super intéressant. Hein, parce que là, on va toucher les histoires de rétention. Regardez. God of War Ragnarok vient de proposer un DLC gratuit, qui plus est, Valhalla, ambiance roguelite, etc. Un an après la sortie de son jeu. Ça, c'est pour évidemment remercier les joueurs. Ça, c'est sûr, ça, c'est cool, et c'est un vrai beau cadeau hein, pour Noël, hein, parce que c'est un DLC incroyable, si vous ne l'avez pas fait, mais franchement, foncez, il est gratuit. Et très sincèrement, il y a plein d'éditeurs et de développeurs et de constructeurs qui l'auraient vendu 10-15 euros, ce serait passé crème, dans le sens où il les vaut. Il les vaut vraiment. Mais là, il est gratuit. Donc ça, c'est vraiment un très beau geste pour PlayStation, qu'on dit souvent « force the payer ». Là, ils ont été remarquables. Vous notez aussi que du côté de The Last of Us, eh bien, il revient sur PlayStation, certes, mais ils ajoutent un mode « no return », donc un mode « roguelite ». Bah, à chaque fois, ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour redonner aussi un petit peu de vie au jeu, un petit peu de communication autour, d'attrait pour que les joueurs reviennent y jouer, gardent leur jeu, donc fassent moins de jeux d'occasion aussi, parce que vous savez que l'occasion, c'est super pour les joueurs, mais c'est pas terrible pour les éditeurs et les constructeurs. Ça permet aussi d'embarquer peut-être de nouveaux joueurs qui entendent parler des jeux, etc., machin. Moi, je suis intimement persuadé que désormais, PlayStation va faire ça à chaque fois. Ils l'ont fait avec Horizon, qui a eu droit à un DLC, ils le font maintenant avec God of War, ils le font avec The Last of Us, je suis intimement persuadé qu'il y aura la même chose avec Spider-Man, et tout ça, c'est aussi pour faire en sorte que ces jeux énormes continuent à vivre sur un bon bout de temps, voilà, pour rentabiliser, relancer les ventes. Bref, je trouve que c'est super intéressant, et vous me direz aussi si ce genre d'analyse vous intéresse. Hein. Vous l'avez vu, hein, c'était pas juste uniquement parler de combien a coûté, machin. Non, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Et je pense que bah, vous qui suivez la chaîne, je sais que j'ai un public, j'ai cette chance, hein, qui est plutôt, qui est pas super jeune, hein, qui est un peu de mon âge, hein, les 30, 50 ans, et qui justement est intéressé aussi par ces sujets-là un peu plus techniques. Bah, je pense que c'est vraiment une thématique qui va nous intéresser et dont on entendra parler dans les années à venir, parce que c'est un véritable sujet, pour en parler avec pas mal de gens dans l'industrie. Ça revient très très fréquemment sur, je dirais pas des inquiétudes, mais un vrai questionnement de jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Bah vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas, car ainsi s'achève ce bistrot du jeu vidéo, je vous avais dit, hein, qui était particulièrement dense et intéressant. Bah écoutez, si vous avez apprécié, si vous aimez les valeurs de la chaîne, si vous aimez ce que vous y apprenez, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, bien évidemment, à vous abonner, et puis vous avez plein d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, alors, à très vite, et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.